Bonsoir. Cet indicatif, c'est l'indicatif de l'Eurovision. C'est le Tédéum de Charpentier. Et Jean-Claude Ric vient de vous le présenter avec son orchestre. Cet indicatif, vous le connaissez bien puisqu'il accompagne les manifestations de l'Eurovision, c'est-à-dire qu'il entoure les matchs de rugby ou les visites de chefs d'État. Et puis aussi, chaque année, vous l'entendez au début et à la fin du concours Eurovision de la chanson. C'est un concours que nous pouvons suivre sur les télévisions européennes depuis 1956. Et depuis 1956, une chanson a le privilège d'être la première de ce concours et d'être chantée dans le monde entier. Le règlement du concours prévoit, tenez, je vous le lis, ce concours a pour but d'encourager la production de chansons originales de qualité dans le domaine populaire en provoquant une émulation parmi les auteurs et compositeurs grâce à la confrontation internationale de leurs œuvres. Et il est certain que maintenant, quand le concours a lieu, il y a environ 400 millions de téléspectateurs qui le suivent. D'ailleurs, les airs que vous avez entendus au cours des années précédentes, vous les avez sans doute encore dans les oreilles. Tenez, souvenez-vous, en 70, à Amsterdam, c'est une petite Irlandaise, Dana, qui interprétait All Kinds of Everything. En 1971, à Dublin, Séverine, pour Monaco, chantait « Un banc, un arbre, une rue ». Dernier, ce fut Vicky Leandros qui, pour Luxembourg, triompha à Édimbourg avec « Après toi ». La tradition de ce concours de l'Eurovision veut que, chaque année, le gagnant organise le concours de l'année suivante. C'est donc en 73 à Luxembourg, le 7 avril, qu'aura lieu le concours de l'année. Et quelle sera la chanson qui représentera la France? Eh bien, nous allons le savoir à la fin de cette émission. Des auteurs et des compositeurs ont envoyé à l'ORTF 97 chansons. Un jury composé de personnalités de l'ORTF et de la SACEM. La SACEM, vous savez ou vous ne savez pas que c'est la Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique. Eh bien, ce jury a éliminé 91 chansons et en a gardé 6. Les 6 chansons qui sont là, dans ce dernier jeu, vous allez les entendre ce soir. Et un jury, ou plutôt 3 jurys, vont décider du choix final. La chanson gagnante, je viens de vous le dire, elle sera choisie par 3 jurys. 3 jurys sympathiques, on dit toujours que les jurys sont sympathiques d'ailleurs, par démagogie. Et ces 3 jurys sont composés, pour le premier, de 20 téléspectateurs. Les messieurs, les dames, les demoiselles qui sont là-haut sur les gradins supérieurs vous représentent, vous téléspectateurs. Ils ont été choisis d'ailleurs et vous
constituer, mesdames et messieurs, un échantillonnage représentatif de la moyenne des Français. Et puis, il y a un jury composé de journalistes. Un jury de la presse, je vous cite leurs noms, pour l'Aurore, Madeleine Loisel, pour La Croix, René Roger, pour l'Express, Carole Sandrel, pour l'Humanité, Fernand Alfandéry, pour Paris-Normandie, Monica Nordin, pour Le Progrès, Anne-Marie Voisin, pour Sud-Ouest, Anne-Marie Delannoy, pour Télémagazine, Maurice Baudouin, pour Télépoche, Roger André, pour Télé 7 jours, Jacques Lebaudeau. Et puis un troisième jury qui sont des invités, des personnalités du monde du spectacle. Et vous les reconnaissez, je pense, il y a là Marcel Carné, Bernard Chevry, il y a Henri Verneuil, il y a Jean Lefebvre, il y a Daniel Secaldi, il y a Janine Chara, il y a Rosie Vart, il y a Serge Gainsbourg, il y a Odile Versoy, il y a Georges Descrières. Eh bien, je vous remercie à tous d'être venus. Vous savez que tout ça est d'une importance considérable. C'est d'une importance considérable, il faut le dire, surtout pour le garçon ou la fille qui va représenter son pays à ce concours de l'Eurovision. Et maintenant, ça y est, pour la France, cette finale commence. J'ai le plaisir de vous présenter Martine Clémenceau. Martine Clémenceau va vous proposer trois de nos chansons. Et je vous souhaite, Martine, de gagner. Mais comme je le souhaiterais aussi aux deux autres, parce que j'ai bon cœur, ça n'engage à rien. Les chansons, les dernières chansons qui restent en lice, vous les avez sans doute entendues ces jours derniers sur France Inter. En tout cas, vous le découvrez ce soir, la chanson numéro 1, elle s'appelle « Je suis venu de loin ». Merci d'être venu de si loin pour la chanter, en tout cas. Je suis venu de loin pour arriver à toi, par de mauvais chemins qui n'en finissaient pas, tellement dangereux que je m'y suis perdue, je les prenais tout en n'y croyant plus, et je marchais quand je n'espérais plus. La route des marins est balisée d'étoiles, le ciel des pèlerins est plein de cathédrales. Mais moi, je voyageais à travers l'inconnu. Je n'avais rien pour atteindre mon but. Existait-il ailleurs que dans mon cœur? Existait-il un chemin du bonheur? Du bonheur. Et voilà, tu es là, tu m'écoutes. Tu souris gentiment, tu m'accueilles. Tu connais les détours de ma route. Tu connais les dangers d'être seul. Je suis venue de loin pour arriver à toi, par de mauvais chemins qui n'en finissaient pas. J'ai rencontré partout des gens si malheureux qu'ils ne croyaient ni en moi ni en eux, qui me prenaient pour une illuminée quand je disais que j'allais le trouver, le bonheur. Et voilà, tu es là et tu m'aimes. Tu le dis, je le crois, je le vois. Sans lumière, sans toi. Je suis venue de loin pour arriver à toi. Garde-moi, garde-moi. La deuxième chanson que nous allons entendre sera interprétée aussi par Martine Clémenceau. Elle porte pour titre « L'Arlequin ». «
ce soir la nuit par hasard nous réunit comme l'espoir. L'amour vient souvent trop tard. Sans toi, ma vie ressemble à un manteau d'arlequin. Mais sous l'habit d'arlequin, mon cœur existe et il pleure soir et matin dans la musique. Rien, je ne sais rien, plus rien de toi, puisque ce soir je chante. L'Arlequin, chanson numéro 2, et voici maintenant Martine Clémenceau qui interprète la chanson numéro 3, dont le titre est « Sans toi ». Il fallait bien que cela m'arrive un jour. J'attendais, je t'espérais, j'espérais, je te cherchais, mais c'est fou. Bon, ce soir dans le jardin, j'aime tes secrets et je n'ai peur de rien. Yeah.
Martine Clémenceau, numéro 3, Sans toi. Et voici maintenant Anne-Marie Godard, qui va chanter la quatrième chanson de cette sélection aujourd'hui. Jean-Claude Ric l'accueille comme on faisait au XVIIIe siècle. Voici Pas un mot, pas une larme. Notre amour est fini, ne reste pas ainsi, à ne savoir quoi faire, à ne rien dire. Tu es là immobile, détaché et tranquille, pourtant tu devrais réagir. Pas un mot, pas une larme pour m'empêcher de partir. Pas un mot, pas une larme qui pourrait me retenir. Pas un mot, pas une larme, et pas même un seul sourire qui me donnerait envie de revenir. Pas un mot, pas une larme qui pourrait me faire choisir. Pas un mot, pas une larme qui devrait me retenir. Pas un mot, pas une larme, et pas un petit sourire qui me donnerait envie de revenir. Nanana, 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 nanana. Un simple petit rien, un signe de chagrin, et je resterai vivre tout près de toi. Pourtant tu le sais bien, je m'en irai demain avec quelqu'un d'autre que toi. Pas un mot, pas une larme pour m'empêcher de partir. Pas un mot, pas une larme qui pourrait me retenir. Pas un mot, pas une larme, et pas même un seul sourire qui me donnerait envie de revenir. Pas un mot, pas une larme qui pourrait me faire choisir. Pas un mot, pas une larme qui devrait me faire souffrir. Pas un mot, pas une larme, et pas un petit sourire qui me donnerait envie de revenir. Nanana, 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 nanana. C'était la chanson numéro 4, Pas un mot, pas une larme. Et Anne-Marie Godard, maintenant, va vous chanter la chanson numéro 5, Lui, il ne saura jamais. Lui, il ne saura jamais quel est mon doux secret depuis que je l'aime en silence. Lui, il ne m'a jamais vu. Il ne se souvient plus depuis le temps de notre tendre enfance. Lui, il ne saura jamais tout le mal qu'il me fait, ainsi depuis qu'il en aime une autre. Sans toi, j'ai tout voulu lui dire de ce mal qui me déchire, pour qu'il me prenne entre ses bras, juste un instant, une seconde. Je n'ose pas. Lui, il ne saura jamais
souvent j'ai pleuré pour lui la nuit seule dans ma chambre. Lui, il marche sur mon cœur en regardant ailleurs. Pourtant je l'aime, mais ce n'est pas sa faute. Ce mal qui me déchire, pour qu'il me prenne entre ses bras, juste un instant, une seconde, mais je n'ose pas. Lui, il ne sera jamais, c'est la chanson numéro 5 que chantait Anne-Marie Godard. Et voici maintenant Jean-Pierre Savelli. Jean-Pierre Savelli qui va gagner sa place pour chanter « Oui, je t'aime », chanson numéro 6. « Oui, je t'aime ». Deux enfants se disent adieu. Deux enfants qui s'aiment. Vous les grands, fermez les yeux, n'écoutez pas, ne troublez pas, n'empêchez pas leur jeu. N'ayez pas l'ombre d'un sourire quand ils vont se dire oui, je t'aime. Jean-Pierre Savelli, chanson numéro 6, « Oui, je t'aime ». Eh bien, vous avez donc entendu maintenant les 6 chansons que le jury de la SACEM et de l'ORTF avait désignées parmi tous les envois. Et si vous n'avez pas pris cette émission à son début, je vous rappelle qu'il y a là 3 jurys, un jury composé de 20 téléspectateurs, un jury composé de 10 journalistes,
un jury composé de 10 personnalités du spectacle et que leurs votes s'additionneront pour désigner la chanson gagnante. Les jurés ont peut-être besoin de 2 minutes de réflexion. Nous allons prier Jean-Claude Ric de diriger son orchestre et un morceau de sa composition qui s'appelle Tibériade. Voilà, et maintenant, en direct, vous allez assister au vote des 3 jurys. Et je dois dire que ce qu'il y a de plus angoissant, c'est de penser aux 2 chanteuses et aux jeunes chanteurs qui sont là dans un coin du studio et qui attendent ce verdict qui a beaucoup d'importance pour eux. Comment vont voter les 3 jurys? Eh bien voilà, chaque membre du jury a dans la main, cher Odile Verspoy, voulez-vous me confier votre petit déclic là? Voilà, chaque membre du jury a en main, au bout d'un fil, un petit déclic, et quand on appuie dessus, merci, une impulsion électrique se transmet à un totalisateur, et l'on sait exactement combien de voix sont données à cette chanson. Les impulsions s'additionnant pour chaque jury, bien sûr. Et il y a ici, derrière, un totalisateur, qui est un totalisateur qui fonctionne très bien, on l'a testé cet après-midi, mis au point par un de nos amis techniciens de l'ORTF. Et puis voici ici les totalisateurs qui nous permettront de... Comment appelez-vous ces appareils? Les totalisateurs électroniques. Les totalisateurs électroniques. Ah, c'est merveilleux ces mots-là. Et puis au milieu, maître jaunâtre huissier qui va surveiller le bon déroulement de tout cela. Alors, je vais maintenant vous demander de voter, c'est-à-dire que nous allons successivement prendre les chansons une par une. On vous en rappellera le thème rapidement. Et ce que je vous demande, bien sûr, c'est très difficile, car vous le savez bien, à l'Eurovision, c'est un ensemble que l'on juge. En principe, on récompense une chanson, l'ensemble que forment les paroles et les musiques. Mais le charme de l'interprète y est aussi pour beaucoup, nous le savons bien, car souvent, nous avons vu à l'Eurovision triompher des chansons qui étaient bonnes, mais dont l'interprète était un peu meilleur que la chanson. Eh bien, tout ça compte, bien sûr, et c'est une besogne difficile.
et je vous souhaite de juger en votre âme et conscience. Je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que nous ne vous donnons pas la possibilité d'établir un choix dégradé. Vous ne pouvez pas donner, bien, très bien, assez bien, passable à une chanson. Vous donnez simplement, en appuyant sur le déclic, un point ou pas du tout. C'est-à-dire que vous votez blanc ou noir. Et voilà. Maintenant, je vais demander... Jean-Claude Ric, est-ce qu'on pourrait entendre quelques mesures de la première chanson pour que tout le monde s'en souvienne? La chanson numéro 1 que chantait Martine Clémenceau, « Je suis venu de loin ». Alors, à propos de « Je suis venu de loin », chanson numéro 1, je vais demander aux téléspectateurs et aux 20 téléspectateurs seulement d'appuyer maintenant, s'ils le souhaitent, sur le déclic pour cette chanson numéro 1. Messieurs, mesdames, si vous souhaitez que cette chanson ait des chances de triompher, vous appuyez sur votre déclic, tous ensemble s'il vous plaît, pendant un certain temps. Allez-y pour la chanson numéro 1, les téléspectateurs. Voilà, c'est fait. Le résultat est bon. Excusez-moi, je ne vais pas donner le résultat l'un après l'autre, car je ne veux pas influencer les jurys. Je demande maintenant au jury des journalistes de voter pour cette chanson numéro 1 en appuyant sur les déclics. Allez-y tous ensemble, enfin, le plus possible. Je vous remercie. C'est enregistré. Je demande maintenant au jury des personnalités du spectacle d'appuyer, s'ils le désirent, sur leur petit bouton, sur leur petit déclic. Et je vois nos excellents comédiens qui sont là, s'efforcer de dissimuler les sentiments que peuvent leur inspirer les chansons sur leur visage. Et Rosie Vart a caché son déclic derrière son dossier. Bon, très bien. Alors maintenant, nous le savons. Je suis venu de loin, chanson numéro 1, a obtenu 6, 2 et 4, c'est-à-dire 12 votes. Et maintenant, la chanson numéro 2, la chanson que chantait Martine Clémenceau, le thème, s'il vous plaît. L'Arlequin. Je demande maintenant au jury des téléspectateurs de voter pour cette chanson. Appuyez sur le déclic si vous le souhaitez. Les téléspectateurs, et seulement vous, mesdames et messieurs, appuyez. Vous avez un résultat? Merci. Je demande maintenant, toujours pour la chanson numéro 2, L'Arlequin, aux membres de la presse d'appuyer sur leur déclic s'ils le désirent. Le résultat s'enregistre. Oui, merci. Je demande maintenant aux personnalités du spectacle, à nos invités, d'appuyer aussi sur leur déclic s'ils le souhaitent pour la chanson numéro 2, L'Arlequin. Allez-y. C'est fait, merci. L'Arlequin a 4, 3 et 1 voix, c'est-à-dire 8 points au total. Et maintenant, nous allons voter pour la chanson numéro 3 que chantait Martine Clémenceau, Sans toi. Écoutez Sans toi. Bien. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs les téléspectateurs, vous votez pour la chanson numéro 3, Sans toi. Allez-y si vous le souhaitez. Ça y est, vous avez un résultat? Oui, merci. Je demande maintenant aux journalistes de voter pour la chanson numéro 3, Sans toi. C'est fait, je vous remercie. Et nos amis les invités, pour la chanson Sans toi, numéro 3, vous appuyez aussi si vous le souhaitez. C'est fait. Très bien, le résultat maintenant. Sans toi a eu 13 voix de la part des téléspectateurs, 2 des membres de la presse, 6 du jury, 21. Ah, Sans toi a donc pris une nette avance sur les autres chansons. Et maintenant, la chanson numéro 4, chantée par Anne-Marie Godard, Pas un mot, pas une larme. Quelques notes. Pas un mot, pas une larme, par Anne-Marie Godard, chanson numéro 4. Les téléspectateurs, votre vote, s'il vous plaît. Si vous souhaitez garder cette chanson, vous appuyez sur vos petits déclics. C'est fait, vous avez enregistré. Merci. Maintenant, les journalistes, s'il vous plaît, toujours pour Pas un mot, pas une larme.
Merci. Et maintenant, pas un mot, pas une larme, chanson numéro 4, pour les invités, le troisième jury. Merci. L'addition maintenant, s'il vous plaît. Pas un mot, pas une larme. 9, 3, 3, 15. Nous allons maintenant voter pour la chanson numéro 5 que chantait Anne-Marie Godard. Lui, il ne saura jamais. Souvenez-vous de ce thème. Lui, il ne saura jamais. Bien. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, les téléspectateurs et téléspectatrices, vous votez pour cette chanson, Il lui ne saura jamais, numéro 5. Si vous le souhaitez, vous appuyez sur vos petits déclics. Je voudrais signaler aux téléspectateurs qu'ils voient les résultats s'inscrire sur leur récepteur, mais que les jurys ne les voient pas. Et maintenant, je demande à la presse de voter pour cette chanson numéro 5, Lui, il ne saura jamais, chantée par Anne-Marie Godard. C'est fait, merci. Et nos amis du spectacle, chanson numéro 5, Lui, il ne saura jamais, chantée par Anne-Marie Godard. Voilà, je vous remercie. Le résultat maintenant, chanson numéro 5, 8 et 2, 10 et 4, 14. C'est donc pour l'instant Sans toi qui semble se détacher extrêmement nettement devant les autres. Enfin, la chanson numéro 6, Oui, je t'aime, que chantait Jean-Pierre Savelli. Bien, jury de téléspectateurs, appuyez s'il vous plaît sur vos déclics. Pour Oui, je t'aime, chanson numéro 6, c'est fait, je vous remercie. La presse, s'il vous plaît. Nos amis les journalistes ont voté, c'est fait. Et maintenant, les invités, le troisième jury, pour le troisième vote de la troisième chanson. Et regardons les résultats, s'il vous plaît. Oui, je t'aime, 13 aussi de la part des téléspectateurs, 2 de la presse, 1 des invités. Oui, je t'aime n'a que 16 points. Eh bien voilà, nous savons maintenant que la France sera représentée à Luxembourg par Martine Clémenceau qui chantera Sans toi. Eh bien, je voudrais maintenant que Martine Clémenceau vienne nous rejoindre. Et je voudrais... Martine Clémenceau, vous permettez que je vous embrasse? Oui. C'est mon privilège. Je vous félicite. Et ce que je voudrais, moi, c'est adresser un sourire cordial à Anne-Marie Godard et à Jean-Pierre Savelli, qui pour l'instant, doivent être un peu moins heureux que vous. Oui. Vous, cette chanson, Sans toi, qui en est le compositeur et qui en est l'auteur? Paul Koulak pour la musique et Anne Grégory pour les paroles. Martine Clémenceau, je pense que vous êtes très émue, oui. Ça se voit, ça se comprend, et essayez de vous débarrasser le plus possible de toute émotion, oui, dans les jours qui vont venir, oui, car vous allez aller à Luxembourg et vous savez, c'est une épreuve passionnante. Non mais ce qui est terrifiant, c'est d'être assis là en face de ces messieurs et dames et qui vous voient et qui appuient sur un bouton, c'est terrifiant, c'est sordide, c'est vrai, mais enfin je suis très heureuse. Qu'est-ce que je peux dire? Mais non, mais vous êtes très émue. Vous venez même de dire un mot qui dépassait votre pensée. Vous avez dit que c'était sordide. Oui, non, c'était, enfin, c'était émouvant. C'est sordide pour moi, en tout cas. C'était émouvant. C'est ça que vous vouliez dire. Fallait bien que cela m'arrive un jour. J'attendais, je t'espérais, j'espérais, je te cherchais, mais c'est fou. Je
et je n'ai peur de rien.